So, hello everybody to the next talk here at Stage Clark. The next talk will be held in English, and here's a quick announcement in German for the translation. Der nächste Vortrag wird in Englisch sein und wir haben eine deutsche Übersetzung unter streaming.c3lingo.org und wir haben das auch auf einer Folie und es wird auch eine französische Übersetzung geben für diesen Vortrag. There will also be a French translation as well as a German translation for the next talk and you can find everything under streaming.c3lingo.org and I hope displayed behind me. The next talk is called Watching the Changing Donc, la prochaine Earth. Présentation, Watching the Changing Earth, change in the gravitational field of the Earth can qui traitera des changements de la, du champ so gravitationnel de la Terre et son influence sur, sur la planète en, en relevant des données venant de différents satellites et comment cette collecte est faite et l'analyse de ces données. Ceci sera expliqué par Manuel. Il est en train de lancer des choses pour vérifier si la gravité fonctionne toujours ou dans des mots un peu plus techniques. Is that pronounced right? La gravitation en géodésie. Je ne sais pas si j'ai prononcé ça correctement, mais voilà. Applaudissez notre présentateur, Manuel. Et je vous rappelle, pour tous vos commentaires, @c3lingo ou le hashtag c3t sur Twitter. Donc, encore une fois, bonsoir et bienvenue dans ma présentation, Watching the Changing Earth. Cette année, le congrès m'a donné l'opportunité de parler de mon sujet de recherche, qui est la gravité. Donc, dans ces prochaines minutes, j'aimerais vous parler de la gravité, la gravitation, de la mission satellite GRACE, du champ gravitationnel de la Terre tous les mois et de son observation et des résultats et de savoir comment, comment on va voir ça dans l'avenir. Donc, l'introduction sur la géodésie, on appelle ça la géodésie. Qu'est-ce que c'est? C'est une science qui aide à mesurer et à récupérer des données métriques sur la surface de la Terre. La plupart des applications connues, c'est pour tout ce qui est urbanisation, développement physique, métrologie, GIS, etc. On voit ces appareils sur le bord de la route, mais on a aussi tout ce qui est physique, physique géodésique, physique fondamentale et métrologie. Nous, on va couvrir la géodésie physique, qui est la mesure du champ gravitationnel de la Terre et ce champ mesuré par des satellites. This talk is about satellite gravimetry. Donc, cette présentation est sur la gravitation observée par les satellites. Voilà, donc la gravité et la gravitation sont un radiant du potentiel de gravitation. C'est en général la combinaison entre l'attraction des masses et l'accélération centrifuge. Ici, on va parler plus de la gravitation. Et le potentiel peut être calculé relativement simplement. On a une formule ici. On a G, c'est la gravitation constante de la Terre. On a trois intégrales pour la Terre, et c'est ce qui est vraiment complexe. Et on a l'intégrale de la masse totale de la Terre et on doit connaître la densité multipliée par
le volume. Donc la densité n'est pas connue, la fonction de densité n'est pas connue. Donc si on veut la calculer, si tu ne peux pas la calculer cette quantité, tu peux écrire une proposition pour avoir tous les financements nécessaires. Donc ici, c'est une expérience d'il y a 20 ans qui s'appelait Gravity Recovery and Climate Experiment, donc l'expérience de récupération de la gravité et du climat, ou GRACE. Donc comme on voit ici, on a deux satellites qui tournent dans le même sens, sur le même orbite, et la distance est mesurée entre les deux satellites. Ici, on peut voir les deux satellites avant leur lancement, en 2002. Et les micro-ondes de sur bande K qui ont été utilisées pour la mesure entre les deux satellites. Donc c'est une résolution spéciale jusqu'à 200 km. Qu'on a pour la mesure. Et on a les variations temporelles. Donc on a tous les mois des informations, à part quelques exceptions, mais on a tous les mois les valeurs. Les satellites volent à une distance de 200 km, 200 km de distance. Et leur distance se modifie en fonction de la variation du champ de gravité. Donc, nous mesurons la distance, ce qui nous permet de mesurer la variation de gravité. Let's say we take a spherical Earth. It has only a single density. The satellites fly along. Tout d'abord, les satellites volent seuls. Et la distance des satellites ne change pas parce que la gravitation à cet endroit ne change pas. Si nous introduisons une masse, n'importe quelle masse d'une densité raisonnable, comme de la Terre, des montagnes, le premier des satellites va accélérer, attiré par l'excès de gravité. Ce qui va faire augmenter la distance entre les deux satellites. Now, the satellite, the trailing, maintenant, leading satellite has passed the mass, le premier satellite a dépassé la masse, il ralentit, le deuxième satellite, lui, passe au-dessus de la masse, il accélère à son tour. Donc la distance entre les deux satellites se réduit. This means the distance between the satellite decreases. And finally, the second satellite finalement, le deuxième satellite dépasse la masse, sa gravité redevenant normale, il conserve l'accélération qu'il avait obtenue précédemment. And once both satellites left, the gravitational influence lorsque les deux satellites ont quitté le champ de gravitation généré par la masse, on se retrouve avec deux satellites qui ont subi la même accélération, donc ils se retrouvent avec une distance identique à la distance initiale. C'est un jeu à somme nulle d'accélération gravitationnelle. Voici simplement comment ça fonctionne. Alors, mathématiquement, voilà comment ça se représente. C'est à peu près la même que celle que l'on a vue tout à l'heure sur le champ de gravité potentiel. Elle a l'air plus compliquée, mais ici on n'a pas la triple intégrale. Elle permet de calculer l'accélération de manière assez simple. Alors, elle fait entrer en jeu plusieurs quantités d'ordre géométrique qui sont des ellipses. Et donc on a lambda et θ à la fin qui sont les données géométriques du podium. Donc les fonctions dépendent de la géométrie.
et pas spécifiquement de la masse de la Terre. Et ces valeurs dépendent d'un logiciel qui a déjà des fonctions qui vont vous aider à calculer ça. C'est pas simple à réaliser soi-même. La partie intéressante, c'est les deux paramètres C et S. C'est les coefficients sphériques harmoniques. Ils incluent toutes les informations sur la masse de la Terre mesurées par les satellites. Donc on a les satellites dans l'espace et les utilisateurs n'ont que les coefficients C et S qui sont de quelques milliers pour le champ de gravité et la possibilité d'implémenter cette formule pour avoir la gravité potentielle. Donc ces coefficients mesurés par GRACE, on a voilà, toutes ces valeurs-là, donc la distance entre les satellites, la distance à la Terre, et on peut ajouter quelques modèles relatifs à la gravité, et ensuite on peut procéder au processing qui est fait par différents groupes, JPL, GFZ, CSR, IFG, AGRATS et AIUB. Des acronymes définis dans l'addendum de cette présentation. Donc tout cela vous fournisse les informations nécessaires en récupérant les données de GRACE et en vous donnant les valeurs de C et S. Mais il y a des groupes additionnels qui vous calculent ces coefficients. Donc, l'Institut pour la géodésie de Graz ou l'Institut de Berne. Donc, ils ont tous des approches légèrement différentes sur le sujet, mais la conclusion est souvent très similaire. On a pas mal de papiers scientifiques qui nous présentent les mêmes données. Mais un utilisateur lambda va en général commencer à partir des résultats de C et S fournis par ce processing. Maintenant, je parle de potentiel, d'accélération, mais ce n'est pas des quantités vraiment intéressantes dans la vie de tous les jours. Si quelqu'un vous dit que la gravité diminue de tant de microgalles, on peut dire « Oh, génial !» ou alors « On va tous mourir. » Donc on a 50-50 pour avoir raison. Donc on va chercher des représentations plus simples du champ de gravité. Et la redistribution de masse qu'on a plus souvent, c'est le continent et le stockage en eau, la surface d'eau. Oui, la variation de gravité, en général, s'explique par une modification environnementale, entre autres un transfert d'eau. Ce qui fait que cette variation de gravité peut s'exprimer également sous forme d'une équivalence en hauteur d'eau. On peut également la calculer avec une formule similaire qui va nous donner cette fameuse équivalence en hauteur d'eau. One slide prior, and the parameters in front of the sum. Les paramètres en entrée de cette formule, c'est la densité moyenne de la Terre, la densité d'eau. Let's say it's 1,000 kilo per cubic meter, and in this fraction in the middle, we need the parameter k, which are the so-called Laffe numbers. Now, this is not a numerical representation of mutual attraction. Ce sont en fait des représentations de l'attraction mutuelle. Ce sont des valeurs qui ont été établies en fait en 1911. C'est la réponse élastique de la Terre qui représente la capacité d'attraction de la Terre. Ça a été calculé par Monsieur Love en 1911. Now we have calculated our equivalent water height, let's say for 2 months, let's say. Pendant 2 mois, nous avons travaillé sur ces données. And we just subtract. Et nous avons pu réaliser la variation du champ de gravité entre 2002 et 2017
essentiellement au niveau des masses d'eau. 15 years apart, expressed in a water layer, s'exprimant au niveau des quantités d'eau. Et on peut voir qu'une fois ôtées les variations saisonnières, il y a une variation à long terme de la gravité et donc de la masse de la Terre qui correspond à une variation d'eau. Il s'agit d'un processus physique. During the last ice age, the ice shields deformed the earth downward. Il semblerait que le bouclier de glace qui protège la planète commence à varier. Il s'était constitué pendant la dernière période glaciaire et il semblerait qu'il soit en train de changer. Now, how do you get your data? Donc, comment vous récupérez les données? Donc, n'importe qui peut demander les données de niveau 1B de GRACE, donc les orbites, les données d'accélération, de distance, et vous pouvez les récupérer sans aucun problème à ISDC. C'est le système d'information d'études géologiques ou au centre d'archives de JPL. Et si vous voulez, vous pouvez calculer vos coefficients C et S par vous-même. Vous pouvez comparer les orbites des satellites en utilisant votre champ de gravité personnel pour voir si ces données sont correctes. Ensuite, on peut récupérer les modèles de champ de gravité. On a une collection très importante à l'ICGEM. On a des coefficients CM sphériques harmoniques, donc c'est les produits de niveau 2. Il y a pas mal de références, des papiers, des études et tous les détails sur leurs études pour récupérer les valeurs C et S. Donc ça vous permet de calculer votre equivalent water height, votre WH, votre niveau d'eau discuté tout à l'heure. Sinon, il y a un service appelé TELUS qui vous propose directement de vous donner le EWH, donc les données sur les niveaux d'eau, donc ce qu'on considère comme le niveau 3. Donc moi, je vais utiliser les données mensuelles que j'ai récupérées de l'Institut de géodésie de l'Institut de Grasse. Donc, qui sont des données de 2016. Je ne vais pas rentrer dans le détail du processus détaillé sur la réduction de la gravité, et ça, ce sera pour une prochaine fois. Donc, voilà les résultats sur un exemple très précis qui est le bouclier de glace du Groenland. Donc, on voit qu'il a perdu énormément de masse en regardant les données sur le champ gravitationnel. On voit que le niveau d'eau et la partie de la masse de Terre nous donnent des informations sur la taille du bouclier de glace. Donc on voit la masse qui a été perdue d'une valeur à une autre. On voit aussi que l'épaisseur n'est pas vraiment localisée. Donc c'est pas uniquement sur les terres, mais aussi au niveau des océans, c'est ce qu'on appelle la fuite. Le leakage. Il y a des méthodes pour réduire cette fuite et réduire les erreurs, mais je n'ai pas effectué de réduction au moment d'appliquer ma formule. Donc, le trend, c'est à peu près 280 gigatonnes de perdu par an.
un mètre cube est égal à une tonne, donc une gigatonne, c'est 10 fois 10 puissance 9 tonnes. One soccer field, si, donc, un terrain de football, c'est avec un kilomètre, le volume d'un terrain de football avec sur un kilomètre de hauteur, c'est l'équivalent d'une gigatonne. Un A380 à 575 donc, tonnes, donc il nous faut 1 million de ces avions pour représenter une gigatonne. Donc ici, c'est une représentation un peu plus jolie, graphique, de ces données. Donc si, ça, c'est fait par JPL. Si vous allez sur le site de GRACE, on a pas mal d'informations similaires. Donc on peut voir ici... à quel endroit sur la carte, sur la gauche, à quel endroit la masse est perdue principalement. Et sur la droite, on peut voir le trend de diminution de masse à travers les périodes. Et sur la gauche, on peut voir des lignes noires au niveau du Groenland. C'est des flots de glace et des fractions au niveau de la glace. Donc maintenant, on sait à quel endroit la masse de glace est perdue et au profit des océans. Et ça nous permet de voir les résultats de GRACE qui nous donne la masse additionnelle des océans pour déterminer l'augmentation du niveau de la mer. Ces données ont été obtenues en réalisant une carte de l'ensemble de la surface de la mer avec des satellites altimétriques qui nous permettent d'avoir une représentation géométrique de la surface des océans. En comparant ces données avec la masse, nous pouvons calculer l'élévation du niveau de la mer. The geometric sea level rise is higher than just the additional mass. So there is a second process. L'élévation du niveau de la mer qui correspond en fait à la variation géométrique de la surface de l'eau. In 2000, the deployment of so-called Argo floats. En 2000, nous avons commencé à déployer un ensemble de bouées. Currently, there are over 3,000. Nous avons déployé plus de 3000 bouées qui mesurent à la fois la température, la salinité entre 0 et 2000 mètres de profondeur. C'est un réseau distribué. Qui nous permet de mesurer à quel point le phénomène s'étend. Additional mass in the ocean, as determined. Et mesurer l'augmentation de la masse d'eau dans les océans. Done by satellite altimetry. On the left, we see an image taken from the last IPCC report on climate change. Vous voyez le dernier rapport de l'IPCC. Green, we see the sea level rise as measured with the satellite. Qui montre l'élévation du niveau de la mer. Time spent 2005 to 2012. De 2005 à 2012. Additional mass as measured by GRACE. L'élévation de la masse mesurée par GRACE a été également corrélée avec les données issues du réseau Argo. On the right, we see a recent publication by Chen, Wilson and Tapley, the latter one being one of the PIs of the GRACE mission. Who accumulated the data from 2005 to 2011? Vous avez les données consolidées sur les différentes variations obtenues à partir de GRACE et des observations en milieu réel qui ont confirmé ces chiffres.
Donc si vous voulez vraiment pas faire la partie mathématique vous-même, il y a plusieurs organismes qui peuvent le faire pour vous. La première, c'est le European Gravity Service for Improved Emergency Control. Donc voilà, on sait que cette quantité d'eau doit être supprimée d'un certain endroit. Et donc on peut savoir si les rivières sont suffisantes pour faire découler les eaux ou pas. Oops, no, this is not the future. Non. So I wanted to do the live demo, but je voulais vous faire une démo live, mais so, yeah, live demo did not voilà. work as expected. Ça marchait pas comme je voulais. So you donc, with this, graphic. You can vous allez être accueilli avec ce graphique. Vous allez voir toutes les données de la Terre. La première chose, c'est changer la fonction gravitationnelle. Si vous voulez, vous sélectionnez les informations que vous voulez, comme le niveau d'eau. Et ensuite, on voit toute une liste de, des champs de gravité, des champs gravitationnels, et on voit tous les groupes qu'on a cités plus tôt et qui nous donnent les informations sur les différentes variables. Donc, on choisit un groupe, et ensuite, derrière, on choisit un certain secteur qui nous intéresse. Donc, on sélectionne un secteur sur la carte, ou alors on peut prendre des secteurs prédéfinis dans le système comme l'Amazon, le fleuve Amazon, l'Elbe, etc. Donc, et comme ça, vous pouvez observer les changements gravitationnels pour cette zone spécifique. Et ensuite, vous pouvez observer un graphique comme celui visible ici. Donc ici, c'est l'équivalent du niveau d'eau. Donc on voit la quantité d'eau qui a été ajoutée à la région sélectionnée dans le temps. Et on voit une tendance vers le haut. Donc encore une fois, c'est une analyse géophysique. Voilà. Donc je vais retourner sur ma présentation. Donc pas de démo live. Donc si vous voulez le faire vous-même, je vous ai mis toutes mes ressources et tous mes liens dans les informations sur la session. Vous avez une description de tout ce qui se passe dans le back-end et de tout ce que vous pouvez voir dans les différentes sections du logiciel. Donc j'aimerais juste vous donner un petit aperçu de l'avenir, parce que bon, quand j'étais en train de préparer la présentation, Grace Bay a été éteint pour des raisons d'âge. Donc c'est un satellite qui était vieux, qui a tenu quand même 15 ans. Donc maintenant on n'a plus d'informations de distance entre les deux satellites. Donc on ne peut plus se baser sur ces informations depuis octobre 2017. Donc I'm not sure about the temporal resolution. Voilà. So the current work which is done is donc le travail effectué en ce moment, c'est de prendre les satellites qui sont dans un orbite assez bas et récupérer les informations du champ de gravité par rapport à leur variation d'orbite. Parce que tous les éléments en orbite sont affectés par les changements gravitationnels. I can calculate the gravity field. Donc par rapport à tous les satellites, on peut calculer les champs gravitationnels, mais pas avec la résolution qu'on avait grâce à GRACE. Mais heureusement, on a la prochaine mission GRACE qui va être lancée. Les satellites sont arrivés aux États-Unis récemment et ils vont être lancés prochainement avec SpaceX, donc en mars-avril 2018. Donc on voit cette image qui ressemble à celle de tout à l'heure. C'est une copie de GRACE, donc c'est le même principe de fonctionnement, mais on a en plus des micro-ondes, on a des lasers supplémentaires qui vont nous donner une précision encore en nanomètres au lieu des millimètres actuels.
Donc en conclusion, j'espère que je vous ai montré que les champs de gravité peuvent vous donner des informations sur les transports de masse sur la surface de la Terre et qu'en combinaison avec d'autres méthodes et des vérifications, d'autres types, d'autres observations, d'autres données peuvent vous donner des informations et des conclusions et qu'il faut faire attention. Je vous ai montré que l'accès à ces données est relativement simple, que les données sont disponibles. Les méthodes sont décrites dans des textbooks de géodésie et des documentations techniques. Et il y a beaucoup d'applications intéressantes de toutes ces données, comme les inondations, les données sur les inondations, les changements météorologiques, et voilà, énormément de possibilités, énormément de travail. Donc voilà, c'est terminé pour mon talk. Merci beaucoup pour votre attention. Et si vous avez des questions, dans la salle ou sur Internet. Thank you, Manuel, for the talk. Merci pour cette présentation. On a du temps pour une ou deux petites questions. Restez assis, s'il vous plaît, pendant le Q&A. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Micro 3, s'il vous plaît. Yeah. Oui. Hey. So my question is Salut. Ma question, c'est par rapport à l'accélération. Quelle est l'influence de l'atmosphère terrestre et, par exemple, la Lune sur l'accélération? Est-ce qu'il faut prendre en considération? Donc, l'influence du Soleil et de la Lune ont une influence, bien sûr, là-dessus. Donc, c'est... l'atmosphère a un effet sur les satellites et cet effet est mesuré par les accéléromètres qui atténuent l'effet gravitationnel. Et une partie est sortie des données, mais une autre partie est inclue dans l'extraction des données. Donc oui, l'atmosphère est très importante pour les mesures. Two has vanished all of a sudden. Then microphone one, please. Micro 1. Est-ce possible de mesurer les changements au niveau de la température des courants océaniques, par exemple l'activité de El Niño, juste en mesurant les champs gravitationnels? As a precursor to El Niño, as I understand it, certain regions of the oceans get warmer. Donc, si on mesure El Niño, on voit que certaines régions de la planète sont plus chaudes. C'est des mesures qui viennent d'Argo principalement, et aussi des mesures du champ gravitationnel de Grace, qui vont nous donner les données sur le réchauffement aussi. Okay, voilà. J'ai lu des documents là-dessus, des papiers là-dessus. Merci, applaudissements. Donc, merci beaucoup.